Bonjour, je suis Kim Morin, éducatrice pour Handiculteurs France et aujourd'hui je vais vous présenter le bobineur qui vient avec toutes les machines Handiculteurs sauf avec la nouvelle Moxie qui a sa propre bobineur. Pour commencer, quand vous recevrez votre bobineur, il ne sera pas monté, il va falloir l'assembler. Donc pour l'assembler, vous allez prendre le porte-bobine avec sa rondelle, vous allez le placer ici au milieu de votre bobineur et vous allez le visser. Ensuite, vous allez visser le mât d'enfilage en tournant pour que la boucle qui est ici sur le mât d'enfilage soit au-dessus du porte-bobine. Et après, vous allez visser le petit guide-fil en forme de queue de cochon qui est ici à gauche de votre tensionneur. Ensuite, il va falloir prendre la câble électrique et la brancher côté droite de votre bobineur. Maintenant, il est prêt. Vous allez prendre votre bobine, vous allez placer sur le porte-bobine, vous allez passer le fil dans la boucle du mât d'enfilage. Ensuite, je me lève. Donc, vous allez passer dans le petit queue de cochon, vérifiant qu'il est bien dedans. Vous venez vers le bas directement, vous prenez et vous formez un U. Vous formez un U comme ça et vous allez tirer pour que le fil est bien dans les disques de tension. Ensuite, vous allez passer, voilà, comme ça, à gauche. Et vous allez prendre votre canette. Vous allez passer le fil du milieu vers l'extérieur dans le petit trou qui est ici. Vous tenez le fil de votre canette et vous placez la canette sur le porte-canette qui est ici. Pour commencer à remplir la canette, il faut tenir fermement le fil en pressant le bouton vert Start ici. Vous tiendrez le fil jusqu'à ce qu'il se casse naturellement tout seul. Le fil, il doit s'enrouler uniformement du gauche à droite. Si ceci n'est pas le cas, il y a un bouton sur l'arrière du bobineur qui est juste ici. Voilà. Et donc, vous pouvez tourner ce bouton et ça va ajuster le remplissage de la canette. Avant de commencer à faire votre canette, il faut noter qu'il y a une ligne blanche qui est juste ici. Voilà. Et une lumière laser. Quand la canette se remplit et traverse ce rayon de laser, l'embobineur s'éteindra toute seule. Si la canette ne se remplit pas assez, vous pouvez dévisser la vis qui est ici et glisser cette pièce noire jusqu'où vous voulez pour que vous remplissez la canette de la quantité que vous voulez, sachant qu'il va se remplir jusqu'à la ligne blanche du laser. La vitesse doit être lente au début, vers 2 ou 3 ici, et après, vous pouvez augmenter la vitesse pendant que la canette se remplisse, jusqu'à 4 ou 5, pas plus. Il y a un bouton démarrer, start, ici, en vert, et arrêter, stop, qui est en rouge. Je vais presser le bouton start, ici, et je vais commencer à remplir à la vitesse 2 ou 3, pas beaucoup plus vite au départ. Voilà, donc là, il s'est cassé naturellement. Maintenant, si je veux l'arrêter parce qu'il y a un petit problème ou autre chose, je peux presser le bouton stop en rouge. Ici, et il s'arrêtera là où je souhaite. Si la canette n'a pas suffisamment rempli, donc là je vais le remplir jusqu'au bout. Je vais augmenter la vitesse à 3 ou 4, pas beaucoup plus. Et le fil, il se remplit tout naturellement. De gauche à droite. Une astuce. Si votre fil est plus fin, il faudra réduire la vitesse de remplissage. Donc la canette va remplir jusqu'à ce qu'il arrive à
ligne blanche. Voilà, il s'est arrêté tout seul, naturellement. S'il n'a pas suffisamment rempli, et vous pouvez aussi le forcer, le remplissage, en pressant le bouton vert Start, en le tenant et passant outre la ligne du laser et remplissera plus la canette, le temps que vous tenez ce bouton. Une fois que la canette est remplie, il faut relaxer la tension du fil, comme ça, et puis vous le coupez. Voilà. Pour vérifier que la canette est correctement embobinée, le fil doit être assez ferme pour que vous ne pouvez pas rentrer ni vos ciseaux, ni votre ongle dans la canette. Si le fil dans la canette est mou, c'est que soit le fil n'était pas correctement mis dans les disques de tension, soit la tension n'est pas correcte. Vous pouvez ajuster la tension ici, donc soit en tournant vers la droite pour serrer, soit en tournant vers la gauche pour desserrer. Votre bobineur est livré, préfixé pour la bonne tension. Et voilà, maintenant vous savez faire vos propres canettes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je répondrai dès que je peux. Merci! Et joyeuses fêtes. Au revoir.